Bienvenue à notre leçon sur la chanson Take Me Home Country Roads, qui figurait sur l'album Poems, Prayers and Promises de John Denver, sorti en 1971. Elle a été élue par l'Association des compositeurs, auteurs et éditeurs américains, ASCAP, en 2000, étant le morceau country du siècle. Donc, si vous avez l'intention d'apprendre un morceau de country, prenez celui-ci, ça vaut la peine. Le morceau est composé de manière classique. Une partie chantée, que nous appelons strophe, le refrain et un bridge. Les accords utilisés sont La, Fa mineur, Fa dièse mineur, Mi et Ré. Dans l'original, la guitare acoustique joue du picking, ce qui veut dire que la main droite joue chaque corde avec un doigt. Nous allons pas si loin dans ce cours, nous nous allons concentrer à l'accompagnement de la voix par la guitare, plectre en main. Avant d'apprendre à jouer et chanter un morceau, il est important de s'en imprégner. Donc écoutez-la quelquefois jusqu'au moment où vous pensez bien la connaître. Chantez avec, en apprenant les paroles en même temps. Réglez votre métronome à 70 BPM. Ceci est la vitesse approximative à laquelle John Denver joue son morceau. La rythmique reste la même tout au long du morceau. Il s'agit d'une sorte de galop, comme si vous montez à cheval. Écoutez l'original. Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Voilà. Donc, si on fait ça très doucement, à 60 BPM, même à 50 BPM, à 60 BPM, et en tenant les cordes avec la main gauche et en jouant avec la main droite sur les cordes, comme ça. 60 BPM, 3, 4. En jouant l'accord de La. 3, 4. Et en jouant les autres accords de la strophe. 3, 4. Maintenant, si nous jouons comme ça, il y a un manque de dynamique. Pour vraiment faire sonner ce morceau, il nous faut apprendre du picking avec le plectre. Ça veut dire qu'on touche entre deux une seule corde avec le plectre. Faisons comme ça. Sur les noirs, nous piquons la corde de La, qui est la cinquième corde. Et les deux autres coups du galop, nous jouons les quatre cordes restantes de l'accord. Faisons un exercice sans jouer un accord, mais le mouvement de la main droite. 3, 4.
Voyez que pour piquer la corde de la, je tourne mon poignet légèrement à l'extérieur avant de le retourner pour toucher les autres cordes. Comme ça. C'est donc une légère rotation de la main qu'on fait surtout au début pour faciliter le jeu. Faisons le même exercice. En jouant l'accord de La, 3, 4. Maintenant, on fait la même chose à la double vitesse. Attention, 3, 4. Ensuite, on continue en liant les autres accords. 3, 4. Pour donner encore plus de rythme, nous alternons les coups sur les noirs. La première noire est jouée sur la note de base de l'accord, donc par exemple La ou Fa dièse, et la deuxième noire est jouée sur la corde à côté. Pour la corde La, nous alternons donc un coup sur la note de La avec un coup sur la note de Mi, comme ça. Pour l'accord de Fa dièse mineur, nous alternons la note de Fa dièse avec celle de Do dièse, qui est tout simplement jouée sur la cinquième corde. Pour l'accord de Mi, on joue alternativement la sixième et la cinquième corde. Et pour l'accord de Ré, il s'agit de la quatrième et la cinquième corde. Faisons un exercice supplémentaire. Ne jouons que les noirs, comme ceci. Jouez avec moi. Encore une fois. Voilà. Maintenant, on essaie de faire ça avec les accords. Donc, non seulement les noirs, mais aussi le galop qui va derrière. 3, 4. Dernière difficulté, avant l'accord de La, nous ajoutons trois notes sur la sixième corde. Mi, Fa dièse, Sol dièse. Alors.
Essayons ça en restant sur l'accord de La. 3, 4. Et finalement, on inclut les autres accords. 3, 4. Maintenant, nous avons fait le travail le plus dur. Il s'agit maintenant plus que d'enrober le chant dans cette structure. Ok, apparemment, vous êtes prêts à chanter. Le jeu de la guitare reste le même tout au long du morceau, du moins au niveau du rythme. Les accords vont changer selon les différentes parties telles que la strophe, le refrain et le bridge. La dernière difficulté est la combinaison du chant et de la guitare. Premier exercice, chantonnez ou sifflez la mélodie en jouant les cordes muettes. Restez avec votre main droite toujours sur la même corde pour le picking. C'est vraiment pour aborder la combinaison chant-guitare. 3, 4. Deuxième exercice, chantonnez ou sifflez la mélodie en jouant les accords. 3, 4... Troisième exercice, on ajoute les coups sur les noirs où on alterne justement avec les cordes. Comme ça, hein? 3, 4. Mm-hmm.
le troisième exercice, le quatrième exercice, la version finale avec les paroles. 3, 4. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Ok, je pense que vous êtes prêt maintenant de faire votre interprétation à vous. Moi, j'aime bien jouer les morceaux comme ça. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, I painted on the sky. Misty days, the moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Voilà. J'espère que vous avez eu du plaisir et que vous avez du plaisir aussi à travailler ce morceau. À bientôt. Ciao.